Ce lundi 5 décembre 2022, la présentatrice Joker du 20h de France 2, Karine Bast, a annoncé une nouvelle réjouissante à ses nombreux abonnés sur Instagram. Révélée sur France Info qu'elle a quitté en 2019 pour ensuite rejoindre Télématin présenté à l'époque par Laurent Bignola sur France 2, Karine Bast est devenue en l'espace de quelques années, un visage familier des téléspectateurs. Très active sur les réseaux sociaux, la journaliste, qui a fêté ses 40 ans le 11 octobre dernier, a annoncé une bonne nouvelle à ses fans sur Instagram. Elle reprendra les rênes du JT de 20h sur France 2 ce mois-ci pour les vacances de Noël. Karine Bast remplace Anne-Sophie Lapix pour les fêtes de fin d'année. De cette bonne nouvelle, la joker d'Anne-Sophie Lapix en est la première ravie. Son sourire sur ce cliché publié sur Instagram en témoigne. Ça vous va comme deal? Demain 20h, télé sur France 2, hashtag Brossilcoré sur un autre écran. Hashtag JT, hashtag coupé du monde, hashtag n'est rien raté. Petit crochet avant 2 semaines à vos côtés en fin d'année, a-t-elle écrit en légende du post. En tout cas, ce deal est plutôt bien accueilli par les abonnés, à en croire les commentaires, vous pouvez compter sur moi, j'opte pour France 2 sans hésiter. L'autre écran ne sera jamais allumé chez moi. Avec un immense plaisir ma belle et talentueuse Karine, yes trop bien, super deal. Je suis très impatient. Et oui, les abonnés de Karine Bast trépignent d'impatience de revoir Karine Bast sur leur écran pour les vacances de Noël. Je tombe des nues, cela fait maintenant plus de 2 ans que Karine Bast est la remplaçante attitrée d'Anne-Sophie Lapix au 20h de France 2. Le public a pu la découvrir sur les antennes de la chaîne France Info qu'elle a rejointe lors de son lancement en 2016. C'est d'ailleurs sur cette même antenne qu'elle a raconté son émotion lorsqu'elle a appris qu'elle prendrait les rênes de l'un des JT les plus regardés de France. Autant lorsque Marie-Sophie, la Caro, s'éleva, note de la rédaction, elle a rejoint TF1 pour remplacer Jean-Pierre Pernaut à la tête du 13h, je me dis, tiens, ça serait sympa de faire le 13h, si est-il une édition vraiment pour laquelle j'avais énormément d'idées, d'envie, très honnêtement, au moment où je reçois l'appel me disant que je ne présenterai pas le 13h, j'ai 2 petites secondes de déception. Et dans la foulée, j'ai la proposition du 20h, je tombe des nues. J'ai plus de jambes, j'ai plus de bras, je me liquéfie, a-t-elle confié. À lire aussi quand je sentirai que j'ai moins de poche. Anne-Claire Coudray évoque son avenir à la tête du JT de TF1 les week-ends.